Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi soir. Non, on va pas commencer le vlog comme ça, Mélanie, ça suffit. Je suis épuisée, je suis épuisée. Je viens de laver par terre. Parce que les garçons ont eu la bonne idée de manger un espèce de bonbon. Il y en a partout par terre, enfin c'est n'importe quoi. Je vais peut-être enlever mes lunettes parce que vous allez voir sinon la ring light. Pour mes petites lumières. Samedi, j'ai pas encore fini le montage du précédent vlog. Donc autant vous dire que ce soir je vais être occupée pour un moment. J'ai tout ça à plier, voilà. Astuce, je mets tout sur mon lit. Comme ça je sais que je peux pas aller me coucher tant que j'ai pas rangé. Voilà. Je suis en train de voir, oui, je sais pas encore si je vais faire des vlogmas au mois de décembre. L'année dernière je l'avais fait. Et ça m'avait demandé beaucoup de temps et d'énergie. Mais je trouvais ça quand même sympa. J'aime bien moi les vlogmas, je trouve ça convivial, je trouve ça cool. Donc le concept des vlogmas, faire une vidéo par jour. Vous aurez de toute façon tous les vlogs le dimanche avec mes ouvertures de calendrier de l'Avent avec Nico et Marie. J'ai trop hâte. Et comme d'hab quoi, ma petite life. Et l'année dernière j'avais presque fait une vidéo par jour jusqu'au 24 ou même 25 il me semble. Différentes vidéos, une vidéo produit terminé, il y avait eu un haul action, il y avait eu des recettes. Et je me suis dit que ça serait pas mal de continuer ça. Voilà, donc si vous avez des idées de vidéos pour le mois de décembre, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Ça m'intéresse carrément. J'avais comme idée de faire une recette par semaine. Donc du coup, ça comble 4 vidéos. De faire des dégustations avec mon chéri aussi, une par semaine. Je me suis dit ça peut être sympa, comme on avait fait cet été avec ma soeur et mon beau-frère, on avait bien rigolé. J'avais aussi, il y aura une vidéo produit terminé, peut-être une vidéo sur mes favoris, que ce soit make-up, bouffe, séries, etc. Mais mes favoris du moment, quoi, en gros. Il y aura sûrement des hauls. Et donc, si vous avez d'autres idées, j'avais aussi l'idée de faire une foire aux questions. Je vous avais déjà demandé de me poser des questions que j'ai fait des captures écran sur mon téléphone. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que tout le monde les voit, que ça vous gêne pas, mettez-les dans les commentaires. Là, je vous attends. Sinon, vous avez mon adresse mail, Nani. Je vous la mets là et elle est en barre d'infos. Si vous voulez rester anonyme ou quoi que ce soit, enfin voilà, n'importe quelle question, je répondrai à tout dans la limite du raisonnable, mais bon, il n'y a pas spécialement de sujet tabou avec moi, donc n'hésitez pas. Comme ça, je ferai une foire aux questions au mois de décembre, ça permettra de un peu plus me connaître si vous avez des questions en particulier. Je pensais également faire une vidéo, une journée avec moi chez Mel Étincelle, voilà. Vous montrer un petit peu la production, quand je prépare vos commandes, voilà, je trouve ça peut être cool, peut-être vous parler un peu plus de ma formation, savoir pourquoi et comment Mel Étincelle s'est créé, voilà. Et donc je pense à ça parce que là je les vois, vous aurez, j'essaierai de vous faire peut-être un concours par semaine, je sais pas trop, des petits concours, des articles que j'ai reçus en partenariat ou des trucs que j'ai achetés moi. Alors déjà en partenariat, il y aura un parfum Nox à gagner, il y aura une montre connectée à gagner également. J'avais fait une commande aussi de faux ongles sur Chine, donc peut-être faire un lot faux ongles et bijoux Chine, vous faire un petit lot. Là j'ai recommandé des bijoux sur Chine pour vous du coup, des choses que j'aime bien, des bijoux que j'ai l'habitude de mettre, que vous voyez dans mes vlogs. Et pour lesquels dans les commentaires j'ai des bons des bons avis, des voilà, j'arrive plus à parler. Bon, des bijoux qui vous plaisent, voilà, sous les vidéos vous me dites à chaque fois elles sont belles tes boucles d'oreilles machin. Donc il y en a que j'ai commandé pour vous les faire gagner. Voilà, je me dis ça peut être cool. Et je vais essayer de trouver d'autres petites choses à vous faire gagner en concours. C'est pas des concours comme les grandes youtubeuses à 400-500 euros, mais je me dis que ça peut vous plaire, voilà. Je vais vous montrer, j'ai reçu deux trucs d'Amazon, donc je vais vous les montrer. Bon, j'ai reçu un sac de croquettes pour Boubou, pour la chaîne de ma mère, puisque ma mère arrive le 10. Quand vous verrez cette vidéo, attends, on est le 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Quand vous verrez cette vidéo, elle sera arrivée. Je sais plus, j'arrive plus à compter. Oh ma zette. J'ai trop hâte. Trop hâte qu'elle arrive. Ça va me faire tellement du bien. On l'a pas vu depuis le mois d'août. Donc, trop hâte. Trop hâte. Ça va me faire beaucoup de bien. Quand vous regarderez cette vidéo, je sors ma collection en fait ce soir et demain, ma vidéo sort.
Mais vous, ça fera déjà une semaine, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous plaira. J'avoue, je suis un petit peu stressée. J'ai fait énormément de choses pour la collection de Noël. J'y ai mis vraiment mon cœur, toute mon énergie. Donc j'espère vraiment, vraiment qu'elle vous plaira. Voilà. Sur Amazon, j'ai commandé une tasse comme ça, Stitch, pour ma nièce. Elle fait partie de sa liste de Noël. Elle est en plastique. Je trouvais qu'elle était pas chère aussi. Je crois qu'elle était à 3€ ou un truc comme ça. Bah, je comprends pourquoi. Elle est en plastique. Alors, on a déjà commandé des tasses comme ça en plastique pour les garçons. Bon, clairement, si tu la passes au lave-vaisselle, c'est mort. Bon, d'ailleurs, ils doivent lui dire qu'elle va pas au lave-vaisselle. Oui, exact. Ils disent que ça va au micro-ondes. Bon, écoute, à voir. Tiens, je vais coller ça là-dessus, comme ça, après, je vous montre. Et bah, ça sera un petit truc à mettre en plus dans ces cadeaux de fin d'année. Quand je dis fin d'année, c'est pour au cas où des petites oreilles traînent autour de vous. Voilà, parce que je sais que j'ai regardé dernièrement des vidéos, les gens... ouais, c'est pour un machin, voilà. Ouais, il y a mes fils à côté en fait, je comprends pas le délire. Hein ? On aide le Père Noël, mais faut bien le dire quoi. Donc maintenant je fais attention des vidéos que je regarde, de pas regarder à côté de mes enfants, voilà. Parce que mes enfants attendent le Père Noël avec impatience, voilà. Donc voilà, pour la fin d'année, je dis comme ça, pour pas que les petites oreilles traînent. Je me suis pris une poudre, ah oui, ils ont eu la bonne idée de mettre les étiquettes dessus, une poudre pour le teint de la marque Catrice. Voilà, j'utilise déjà depuis pratiquement une semaine, j'avais oublié de vous la montrer. Très très bien, je la prends sur Amazon, elle est pas chère. Et donc ensuite, je voulais vous présenter et découvrir avec vous, je suis allée récupérer un colis dans mon point relais. Un colis que j'attendais avec impatience. Alors j'ai mis du temps à aller le chercher parce que je suis un boulet, voilà, tout simplement. Et tout à l'heure je suis sortie exprès pour aller le chercher parce qu'il me le fallait. Vous savez que j'ai mon amie, enfin vous savez ou pas d'ailleurs si vous la suivez, mon amie Marie de la chaîne Mon Ange, qui adore, qui est passionnée de bougies, de fondants parfumés, de choses qui sentent bon, et à qui j'envoie tout le temps mes collections Mail Étincelle parce que je sais qu'elle adore. Elle et Nico et Nawel, voilà, c'est les trois personnes vraiment qui me soutiennent à fond, qui me conseillent, enfin je vous aime, voilà. Et donc Marie a eu un joli projet avec deux gars et un chien, donc Mathieu et Damien de la chaîne YouTube deux gars et un chien, et qui ont également un site internet Dolly et Jack de bougies artisanales, voilà. Et donc Marie a fait une collaboration avec eux, c'est quelque chose qu'elle prépare depuis des années, enfin plusieurs années en tout cas. Et quand on s'est rencontré avec Marie, elle nous avait amené les échantillons de plusieurs parfums pour qu'on l'aide à choisir pour la collection qu'elle allait faire en collaboration avec Mathieu Damien, donc de chez Dolly et Jack. Et donc ça y est, elle a sorti deux bougies en collaboration avec eux, et elle m'a fait une commande pour que je puisse découvrir ces bougies. Franchement, ça m'a touché un truc de dingue, j'ai trop trop hâte. Évidemment bah, je savais quel parfum et tout elle avait choisi, mais du coup c'est un honneur pour moi de découvrir bah, cette collaboration avec Mathieu et Damien. Donc à l'intérieur on a une jolie carte comme ça avec ange démon, donc avec un petit mot de Marie, et derrière vous avez le côté démon et le côté ange. Donc comme je fais une petite aparté, comme je vous l'ai déjà dit quand je vous présente les articles de Nawel, donc il y a également un site internet Harmonie d'ailleurs, c'est pas parce que j'ai un site de bougies et de fondants parfumés que je n'aime pas ce que les autres font et que je ne partage pas ce que les autres font. Moi je trouve que c'est important de se soutenir même entre créateurs, voilà, que ça soit même sur YouTube, encourager également les autres chaînes YouTube, mais également bah, quand on a une boutique en ligne, voilà, je trouve ça super important. J'ai déjà testé des produits de Dolly et Jack que j'adore, et bah, je trouve ça cool de pouvoir découvrir bah, du coup la collab avec Marie. Donc c'est pour ça que je vous le partage avec grand plaisir. Voilà. Donc ça se présente comme si dans un très très joli coffret. Donc là pour offrir, bah clairement c'est top. Et on a ange démon. Je sais pas si vous voyez la petite subtilité de l'étiquette. Ange avec le petit autour de la tête. Et démon avec les petites cornes comme ça. Bon, on va pas bien voir avec mon téléphone malheureusement. Je trouve le détail super super sympa. Et donc il y a marqué Dolly et Jack X mon ange. J'ai hâte, même si je connais les parfums, j'ai trop hâte. Donc on découvre ensemble, hein. Je ne me suis pas spoilée avant. Waouh, c'est joli, regardez-moi ça. Donc c'est dans des jolis écrins en velours comme ça. Waouh, c'est tellement joli. Donc vous pouvez là, prendre le coffret avec les deux bougies, ou alors vous pouvez choisir
individuellement les bougies, donc soit la ange, soit la démon. J'espère qu'au moment où je vous en parle, elles sont encore dispo sur la boutique. J'avoue que je ne suis pas allée voir, donc je vous mettrai un petit message là, mais c'est vrai que ma vidéo sort dans une semaine, donc du coup d'ici là j'espère que ça sera encore dispo. Ta-da-da-da. Waouh, regardez-moi ça. Donc on a celle-ci, la démon, voilà. Donc il y a marqué bougie naturelle artisanale. Et donc on va sentir ça. Ouais. Ça sent super bon. Je ne me rappelle plus des notes olfactives. Ça sent terriblement bon. Faut savoir que les bougies d'Olivier Jack se diffusent très très bien. Voilà. Donc top. Et on a la ange du coup, qui est comme ceci. Voilà, avec le petit ruban blanc. Vous avez le détail du couvercle et du ruban. Et l'étiquette, la couleur de l'étiquette. Et celle-ci, je crois que c'est celle que j'avais choisie avec le mari de Nico. Et Nico et Marie avaient plus opté pour ce parfum-là. Que j'aime beaucoup aussi, hein, mais je crois que je préférais celui-ci. Oh là là, ça sent bon. Ouais, j'adore. Je sens cette bougie. Et peut-être un peu plus que l'autre. Alors que l'autre, je vous dis, c'est celle que Marie a choisie. Enfin, qu'elle préférait en tout cas. C'est Marie. Voilà, c'est des parfums assez forts, assez ambrés. Ça sent trop bon. Franchement, très très jolie collaboration. J'adore, j'adore, je suis trop contente. Donc je vais évidemment les faire brûler à la maison. Je vais essayer de les économiser un petit peu. Et vous voyez, bah, pour offrir, c'est top. Vous avez le petit écrin en velours. Donc merci beaucoup ma biche pour m'avoir fait ce joli cadeau, de m'avoir envoyé tes produits du coup, parce que c'est un petit peu tes produits aussi. Merci à Mathieu et Damien également pour l'envoi, même si eux ils m'ont fait ma commande quoi, que Marie avait passé sur la boutique. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois et j'ai hâte de faire brûler tout ça. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la barre d'infos. Et trop cool, franchement je suis trop trop contente. Je sais que c'est un rêve de Marie de faire des bougies, voilà, d'avoir sa marque. Donc je me dis c'est un premier pas vers là. Et du coup ça fait trop plaisir. Et voilà, merci à vous trois pour cette jolie découverte. Donc du coup comme je vous le disais, j'ai tout ça qui m'attend. Je vais aller voir si c'est sec de ce côté-là, puisque j'ai encore tout à laver. J'avais pas du tout pour objectif de laver ce soir, mais je me dis au moins c'est fait, j'aurais pas à le faire demain. Comme ça, demain, je nettoie les deux salles de bain et les toilettes. Bon, les toilettes, je les nettoie tout le temps. Hein. Mais en fait, je vous explique, j'ai mon sèche-linge qui est dans mes toilettes. J'ai des grandes toilettes. Du coup, j'ai ma machine à laver et mon sèche-linge qui sont l'une sur l'autre dans les toilettes. Je vous dis, mes toilettes sont grandes. Et le problème avec un sèche-linge, c'est que dans mes toilettes, je n'ai pas de fenêtre. Et avec le sèche-linge, ça dégage énormément de poussière. C'est là qu'on voit que... voilà. Et quand je fais tourner le sèche-linge, je ferme la porte des toilettes. Donc il fait 50 degrés quand tu vas aux toilettes et qu'il y a le sèche-linge qui est en route. Et ma porte est remplie de poussière. Donc je suis tout le temps en train de faire mes poussières dans mes toilettes. Et je nettoie tout le temps mes toilettes, évidemment. Et là, j'ai mon sèche-linge qui est en route. Donc je sais que ce soir ou demain, poussière. Voilà, Cendrillon sera au taquet. J'ai des enfants qui sont surexcités, franchement c'est fatigant. Ils reprennent l'école lundi. J'ai hâte de reprendre ce rythme là. Tac tac tac, tu rentres, tu goûtes, tu fais tes devoirs à la militaire, tu vois. Mais j'ai hâte parce que là je suis épuisée. Pourtant j'ai travaillé que lundi mardi cette semaine. Voilà. J'ai aussi tout ce coin là rangé que vous ne voyez pas. En fait j'ai commandé des cadeaux pour la fin d'année pour mes neveux et nièces qu'il faut que j'emballe. Et le reste, j'ai fait livrer directement chez ma mère. Comme ça, on n'aura pas à l'amener en Bretagne quand on ira à Noël, tout simplement. Bref, je vais arrêter de parler. Là, je vais ranger tout ça parce que demain, j'ai envie de me faire une petite journée off. Même si je sais qu'elle ne sera pas off. Je vais essayer d'en faire le maximum aujourd'hui pour avoir un maximum de temps demain. J'avais dit ça déjà hier. Et aujourd'hui, j'ai travaillé du coup toute la journée. Bref. J'arrête de blablater. Je vous laisse ici et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain pour la suite. Hello, je vous retrouve. Aujourd'hui, nous sommes dimanche matin. Attendez, on va s'asseoir. Je vous retrouve avec ma tête de folle et je vous retrouverai comme ça toute la journée, clairement, puisque j'ai pas le temps. Voilà, j'irai prendre ma douche tout à l'heure. Il faudra que je me lave les cheveux, etc. Mais là, j'ai pas le temps. Vous êtes des malades ou quoi? Je me suis fait bombarder de commandes. Alors, merci mille fois. Comme je vous disais hier,
J'ai sorti ma collection de Noël hier soir, donc pour vous samedi dernier soir, et donc ma vidéo est sortie ce matin, donc dimanche matin. J'ai une trentaine de commandes. Vous m'avez dévalisé, alors à un tel point. Alors calendrier de l'Avent, j'en avais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des box aussi, et tout ce qui est bougies, fondant crémeux, j'en avais fait, mais pas non plus 50 de chaque, tu vois. Et je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Et donc j'en avais fait et pour la boutique et pour le marché de Noël. Je suis en rupture de pratiquement tous les fondants crémeux. Donc du coup, j'ai dit à mon mari d'ajouter ceux du marché de Noël sur la boutique. Donc il faut que je refasse. Donc là, je suis en train de faire je vais y arriver. Je suis en train de refaire du réassort en fait pour les fondants crémeux. Il y a pain d'épices, macaron, vanille qui est en rupture. Et feu de bois, je crois qu'il en restait un. Donc j'ai dit à mon mari, ajoute ceux qu'on devait mettre sur le marché de Noël. En attendant que j'en refasse. Donc là, j'en refais parce que de toute façon, j'ai tout. J'ai le parfum, etc. Mais je pensais pas que j'allais dévaliser en quelques heures. C'est un truc de dingue. Donc merci mille fois pour vos commandes. C'est un truc de dingue. Je suis trop contente. En plus, on a des nouveaux clients. Alors, on a toujours nos clientes fidèles. Donc merci mille fois à vous qui, à chaque fois que je mets des nouveautés, sont là, sont au taquet. Et franchement, merci. Donc j'essaye à chaque fois de vous gâter comme je peux, à vous mettre des cadeaux, des choses en plus dans vos commandes pour vous remercier de votre fidélité. Mais je vais regarder là, j'ai noté les noms. Hop, j'ai mon petit feu de bois derrière. Les garçons viennent de partir chez le coiffeur, donc je vais être au calme un petit peu pour faire les commandes. Je vais pas dire les noms de famille, mais les prénoms. Voilà, ceux qui sont toujours au taquet, on a Fabienne, Sandrine, il y a deux Sandrines différentes. Catherine qui fait à chaque fois de magnifiques commandes. On a une autre Sandrine, on a Marjorie, Sandra, Marianne qui fait des belles commandes à chaque fois. Bernada aussi, franchement vous êtes juste des amours. Je vois les noms et ouais à chaque fois. Marie aussi qui fait de belles commandes à chaque fois. Mathilde aussi, Julie, ouais franchement merci. Merci du fond du cœur. Donc là, je vais préparer vos commandes. Je vais faire aussi, là, je viens de faire la préparation pour refaire des poudres parfumées sapin de Noël. Ça, j'en avais fait une dizaine. Je savais pas si ça allait plaire ou pas, ce parfum-là. Eh bien, écoutez, je suis en rupture. Donc, ça a plu. Donc là, je vais en refaire. Ça, j'avoue que c'est le kit que j'en ai mis dans mon aspirateur. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez en mettre dans le fond de votre poubelle. Dedans, il y a du bicarbonate de soude, pardon. Donc, ça absorbe si votre sac fuit. Vous pouvez en mettre dans les cendriers si vous fumez, vous pouvez en mettre sur vos tissus et après aspirer, donc canapé, c'est pour ça que je mets pas de colorant dedans pour pas que ça tâche. Vous pouvez mettre sur vos tapis et vous pouvez en mettre par terre, je vous montrerai comment je m'en sers. Vous en mettez un petit peu par terre et vous aspirez avec votre aspirateur, que ce soit avec ou sans sac, hein, ça change rien. Et ça sentira jusqu'à ce que vous vidiez votre bac d'aspirateur ou votre sac. À chaque fois que vous allez passer l'aspirateur, ça sentira en fait l'odeur de la poudre parfumée. Donc là ça sent le sapin, franchement ça sent trop bon. J'avoue que moi ça y est, je suis dans le mood de Noël, j'ai qu'une envie, c'est de faire mon sapin et mettre ma déco de Noël. Mon mari me tempère un peu puisque cette année on va acheter un vrai sapin. Donc de toute façon là ils sont pas encore en vente, enfin chez Carrefour, les trucs comme ça. Le but du vrai sapin, c'est qu'il tienne quand même jusqu'à Noël. Donc on ne pourra pas le prendre maintenant. Je pense que je le mettrai le dernier week-end de novembre. Avant, je faisais toujours ça le premier week-end de décembre. Là, on essaie de reculer un petit peu. Enfin, d'avancer un petit peu. Donc, je vais faire ça. J'ai vu qu'il y avait des ruptures sur les autres poudres parfumées. Donc, je vais en refaire. Il faut qu'on mette aussi, j'avais fait en nouveauté des fondants crémeux lavande. Je sais pas, hier j'ai regardé mes parfums et je me suis dit mais lavande je ne l'ai jamais fait. Ça sent trop bon la lavande et j'avoue qu'en ce moment j'ai un petit peu besoin de ça là, d'apaisement. La lavande ça m'apaise. J'ai refait aussi hop des fondants patate douce sucrée, les lys blancs j'en ai refait mais sous un autre format. Puisque comme je vous disais la dernière fois, pour chaque catégorie de fondant, donc on a la catégorie florale, gourmand. On a la catégorie quoi, édition limitée, dupes de parfum, sauf pour les dupes et les éditions limitées, je vais essayer de faire la même forme de fondant. Donc pour les fondants comme ça qui sentent les fleurs, eh bien on a soit cette forme là de fleurs, soit l'autre forme comme les bonheurs par exemple, comme ça. Voilà, comme ça on a deux formes différentes, c'est beaucoup plus simple pour moi de les préparer.
Pour les fruits, c'est en forme de gaufrette comme ça. Alors, il y en a, par exemple, cerise noire, il me reste encore en forme de cœur. Mais dès que je referai du réassort cerise noire, ça sera aussi en gaufrette comme ça. Voilà, donc j'essaye pour chaque catégorie de fondant de faire la même forme ou de jouer entre deux ou trois formes différentes. Et je m'y retrouve mieux comme ça, je trouve ça mieux. Est-ce que ma cire est fondue? Pas totalement. Donc voilà, là je vais préparer vos commandes. Je vais en parallèle refaire des fondants crémeux. Et ah oui, je vous ai pas montré du coup sur le verre. Ah bah là il y a le flash carrément. Attendez, on va enlever le flash parce qu'il fait jour. Hein. J'ai fini la bougie comme ça qui sera sur le marché de Noël. Je vais en faire plusieurs. Donc là on a de la cire. Celle-ci elle est au sapin de Noël. Et donc dessus on a les petits éléments comme ça. Donc c'est une bougie 4 mèches. J'ai pas mis de mèche sur les éléments en relief là, puisqu'en fait quand ça va brûler, bah en gros les autres vont également brûler. Et donc on a celle-ci au pain d'épices, j'ai pas encore coupé les mèches, donc c'est une 3 mèches pareil avec des petits éléments comme ça en relief, ça sent trop bon. Voilà, donc il faut que je la termine. J'hésite à mettre encore un petit cadeau ici. À voir. Donc voilà, il y aura des bougies comme ça sur le marché Noël que je trouve très sympa mettre au centre de table. Voilà, bref, je vous laisse du coup, j'attaque et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer où j'en suis. J'ai dû se retrouver de la journée, j'ai toujours la même tête, comment vous dire, j'ai jamais eu autant de commandes en une journée, c'est un truc de dingue. Là, il y a tout ça, hop, mon mari a déjà amené déjà toute cette quantité là dans la voiture. Là, je suis en train de continuer, j'en ai encore une dizaine à faire. Par contre, niveau carton, j'avais pas prévu des cartons aussi gros, parce que des commandes à 200 €, comment vous dire? Donc, je suis obligée de faire deux cartons et de les scotcher ensemble, vous voyez, comme ça, parce que j'ai pas d'énormes cartons. Donc là, il faut absolument que je fasse une commande en urgence de carton, parce que il me faut des cartons. Voilà. C'était juste pour vous dire ça. Donc je continue, je vous retrouve quand j'ai fini. Hello, aujourd'hui nous sommes lundi matin, je me suis levée en retard. J'ai quand même eu le temps de me lisser les cheveux. Il faut que je parte plus tôt ce matin parce que je vais essayer de déposer des colis, enfin les colis de la boutique. J'ai une cinquantaine de colis à déposer, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais faire plusieurs Mondial Relais parce que je vais pas arriver dans un seul Mondial Relais avec 50 colis, sinon le mec il va m'insulter clairement. Voilà, les garçons sont en train de se préparer. Je vous montre la tenue. J'ai mis mon petit pull comme ça de chez Cupshe que j'aime trop. Voilà, j'aime trop les couleurs. Un jean clair comme ça qui habille. Et je pense que je vais mettre mes Converse blanches. Voilà. Niveau des boucles d'oreilles, j'ai mis celles-ci. Elles sont roses pour rappeler un peu le pull. Et sur mes lèvres, j'ai mis... J'avais oublié la sensation quand même. Un sans transfert de chez Sephora. Marie m'a donné envie de les remettre. Ça fait longtemps que je ne les avais pas mis. Celui-ci, c'est le Marvelous Rouge, le fameux. C'est le numéro 13. C'est des anciennes collections. À ce que j'ai vu, ceux de la nouvelle génération, quoi. C'est à peu près les mêmes teintes. Donc, aucun intérêt. J'en ai une dizaine déjà comme ça. Donc voilà, je suis contente. Là, je vais aller checker là, les enfants pour voir où ils en sont. Je dois rester à la jeun ce matin parce que j'ai mon écho abdo à faire. J'ai une écho abdominale à faire. Et du coup, bah, je dois être à jeun. Donc, eh bien, je suis à jeun. Et c'est toujours vraiment comme ça, tu dois être à jeun, où t'as pas le droit de boire, de manger. Que t'as la soif, que t'as faim. Et là, ce matin, j'ai très soif. Mais je ne peux pas boire. Voilà, bref. Bon, du coup, je vous laisse et je vous retrouve ce soir pour la suite. Ça y est, j'ai fini le travail. Je fais un petit test avec le micro. Donc, je vais essayer de pas trop bouger pour ne pas que vous entendiez. Voilà. Mon mari dit qu'avec le micro, on entendra moins les sons autour de moi. Je ne pense vraiment pas. Alors, pour info, je sais que j'ai eu un commentaire comme quoi on entendait beaucoup mes enfants et mon mari et que la personne ne comprenait pas pourquoi je filmais à côté de mes enfants et mon mari. Alors, faut savoir que j'habite en appartement. Mon appartement fait pratiquement 100 mètres carrés, donc c'est quand même un assez grand appartement. Sauf que mes enfants ont beau être dans le salon et moi à l'opposé dans ma chambre, je les entends quand même. Et du coup, si je les entends, vous les entendez aussi. Donc, je suis désolée. On vit dans le même appartement. Voilà, je ne vis pas dans un 300 mètres carrés. Je n'ai pas cette chance-là. Nous n'avons pas tous cette chance-là. Donc, désolée. Dans les vlogs, ça vit. Il y a mes enfants, il y a mon mari. J'essaie un maximum de leur dire de ne pas faire de bruit, mais je peux pas les empêcher de vivre quand je filme. Quand je fais les vidéos du mercredi où c'est vraiment des vidéos posées, là je filme quand ils sont au foot ou voilà, j'essaie de trouver des moments où ils sont pas là, comme ça je sais qu'il y a pas de bruit. Mais les vlogs, bah c'est mon quotidien, je vais vous filmer 5 minutes dans ma journée et du coup bah
ils sont là, quoi. Voilà. Donc, je suis désolée d'avance pour ça. Donc, j'espère qu'avec le micro, le son sera un petit peu mieux. Voilà. Je n'ai jamais filmé avec un micro, c'est assez bizarre. Bref. Donc, ma journée est terminée. Première journée de boulot. Il y avait pas mal de taf. En plus, j'étais pas là fin de semaine dernière. Donc, il y avait plein de choses à rattraper. Donc, ce midi, pendant ma pause, je suis passée chez Action parce qu'il me fallait absolument du scotch pour mes colis. Comme je vous disais hier, j'ai eu énormément de commandes sur la boutique. Donc, j'ai racheté des rouleaux de scotch. Je crois que j'en ai pris 8. Voilà, il y en avait plein. Le rayon était rempli. J'en ai pris 8 parce que là, je me suis retrouvée en rate de scotch. Et du coup, j'ai dû utiliser le scotch. Il y a marqué fragile. Là, c'est trop moche. J'ai repris également du petit scotch comme ça parce que j'en ai plus beaucoup. Hop là, j'ai repris un gros paquet, enfin un paquet de papier bulle, je vais y arriver. C'est pas celui que j'utilise pour la boutique, j'utilise celui de chez Shein, qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus bullé, voilà. Mais celui-ci dépanne bien, même pour les colis vintage, etc. C'est pas mal. Ensuite, j'ai repris des éponges comme ça, un lot de 3 éponges. Ça, c'était moins d'un euro. Et j'ai voulu tester celle-ci. Je ne les connais pas. Mon frère, la dernière fois, m'a donné une éponge qu'il avait achetée. Je crois qu'il l'avait vue dans une émission de télé. Vous savez, les gens qui présentent... Je suis désolée, je suis fatiguée. Qui présentent leurs inventions et qui est top. Et c'est un peu ce style-là. Donc, je me suis dit, je vais tester. Voilà, donc c'est des éponges lavables. Alors, j'avoue que moi, je crains de ouf les éponges. Je déteste les éponges, je trouve ça sale. J'aime pas du tout. Mais bon, bah voilà, ça sert quand même pour faire la vaisselle, quoi. Je sais qu'il y en a qui utilisent des brosses, etc. Je trouve ça plus pratique quand même avec une éponge. J'ai repris une brosse comme ça à 34 centimes pour nettoyer mes moules de fondant parfumé. Voilà. J'ai repris, oupla, une lingette comme ça, microfibre. Ça, je m'en sers pour faire mes poussières, tout simplement. J'ai trouvé cette petite déco de Noël comme ça, en feutrine, que je trouve trop mignonne, avec une petite corde. Je l'adore. Voilà, elle est très très mignonne. J'aime beaucoup et j'en prendrai peut-être d'autres. J'ai pris ces chips-là puisque j'avais pas à manger quand j'y suis allée. Et du coup, bah, j'ai mangé 2 chips. Je les trouve pas ouf. Voilà. Donc, voilà pour ça. J'ai pris, là, il y en a un, mais j'en ai un deuxième, 2 sucres d'orge. Pour mettre dans le calendrier de l'Avent de Marie et Nico, mais je l'ai cassé dans le sac, je suis dégoûtée. Voilà, et donc, bon, bah tant pis, ils seront spoilés. Mais j'ai pris des petits sacs comme ça pour mettre des petites gourmandises dans le colis. Regardez comme c'est trop beau. Oh, c'est en feutrine aussi, je trouve ça magnifique, j'adore. Voilà, donc à l'intérieur, je vais mettre le petit sucre d'orge et d'autres petites choses. En nouveauté nourriture, j'ai découvert ça. C'est des pretzels caramel salé. Alors ceux-là, je les connais avec, je crois que c'est du piment. Il y en a d'autres où c'est moutarde et je sais plus quoi, qui sont trop trop bons. Et ceux-là, je les connaissais pas. Donc je les ai pris pour goûter. J'ai craqué pour cette déco de Noël à 3,99€ qui est toute douce, qui est très très jolie. Un petit sapin comme ça sur un support en bois. J'adore. Voilà, j'avais envie de craquer pour toute la déco de Noël. Franchement, ils ont des trucs vraiment sympas chez Action. Je me suis raisonnée, vraiment. Ensuite, j'ai pris une petite bûche comme ça pour la cheminée. Alors, j'ai pas de cheminée chez moi, mais je vous expliquerai plus tard le pourquoi du comment. Pour le repas de Noël, j'ai trouvé des petits pics comme ça avec des Père Noël. Alors, il y avait Père Noël sapin, il y avait des flocons. Et je ne sais plus, je les trouve trop trop beaux. Dedans, il y en a 30 et ça, je crois que c'était 99 centimes. Pour la fin d'année, pour ma nièce, j'ai pris cette tortue comme ça avec, vous savez, vous tapez avec le marteau sur les petits éléments. Donc, c'est un jouet en bois. Il y a pas mal de jouets en bois sur chez Action. Et j'ai envoyé en photo à ma sœur et elle m'a dit « Ouais, ouais, carrément. » Donc, j'ai pris. Ensuite, j'ai pris 2 nouveaux masques. Alors là, je suis choquée de la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur. Je comprends pas trop le délire, là, le gâchis, du coup. Donc, c'est 2 masques voilà, 2 masques en tissu, pardon. Et c'est des nouveaux. Par contre, ils ont l'air trop cool, genre des couleurs bien flashy. Il y en a un, la vitamine C, et un, la vitamine B3. Je sais pas si vous allez voir, déjà, pour qu'il bouge autant, voilà. Ça, je pense qu'en gros, tu le fais à deux, quoi. Il y en a une personne qui met le masque et l'autre qui se met le produit sur la peau. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est jusque là c'est rempli de produits. Donc je comprends pas trop le délire, j'avoue. Pour pareil la fin d'année pour ma nièce,
La plus grande, ma filleule, je vais lui faire, comme tous les ans, un petit une petite trousse de maquillage, bijoux, etc. Et il y avait cette palette-là en promo à 3,95€. Alors pour moi, c'est pas du tout le genre de palette que j'aurais acheté. Mais pour elle, je trouve ça cool. Il y a plein de couleurs. Et quelle petite fille n'aimerait pas ce genre de palette? Voilà, donc ça, je suis contente. J'ai trouvé ce magnifique cahier. J'adore. En espèce de tissu. Voilà, qui coûtait dans les 2€. Il y a un papillon qui est brodé dessus, qui est magnifique. Et ça, en fait, ça va être pour un des médecins avec qui je travaille, une femme, qui la dernière fois m'a offert un petit lot de post-it, etc. Et du coup, pour la fin d'année, bah, j'aimerais lui faire un petit cadeau. Donc, j'ai pris un cahier, je lui ai pris des petites paires de boucles d'oreilles aussi. Donc, voilà pour ça. Comme je vous disais, pour mettre dans les petits paniers, j'ai pris ça. Bon, tant pis, ils seront spoilés, hein. Des petits Père Noël comme ça en chocolat et des petits trucs comme ça en étoile là avec des petits chocolats aussi. J'ai craqué pour une bouillotte comme ceci qui fait tout le tour en fait des cervicales. Vous pouvez mettre comme ça aussi si vous avez des douleurs au ventre, etc. Mais aussi comme ça. Et je me suis dit pour mes cervicales, ça serait pas mal du tout. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à me donner des conseils pour mes douleurs cervicales, donc merci beaucoup. Là, c'est vraiment une bouillotte où tu mets de l'eau, donc je vais tester. J'ai repris un produit vaisselle comme ceci. J'ai plus de shampoing, donc j'ai pris celui-ci. J'ai déjà testé, il est très bien de chez L'Oréal. Voilà. Il y a des trucs quand même, je vais pas vous montrer. Et pour terminer, j'ai pris la fameuse crème dupe de je sais plus trop quoi. Crème visage, voilà, à tester, il en restait plus qu'une, donc du coup je l'ai prise. C'est à base de quoi? C'est au raisin, voilà, donc à tester. Voilà pour Action, j'ai repris les sacs, évidemment. Voilà, voilà, je suis contente de ce que j'ai acheté. Il y a d'autres trucs que je voulais qu'il n'y avait pas, mais bon, bref, c'est pas grave. Je vous retrouve tout à l'heure. J'ai reçu la blissime aussi parce que il y a mon petit papa qui vient d'arriver. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Hello, bon, aujourd'hui nous sommes mardi matin. J'ai pas eu le temps de vous retrouver hier parce que, bah, comme je disais, mon père est venu. De toute façon, j'avais fini de vous montrer des trucs Action. Et après, on a fait à manger. Moi, j'ai préparé des commandes. Alors, j'ai plus de carton, c'est la misère. J'espère recevoir ma commande aujourd'hui de carton, enfin bah, il va falloir que j'aille la chercher. Bref, donc j'ai déjà préparé en amont toutes les commandes, comme ça j'ai plus qu'à les mettre en carton. Je vous montre la tenue du jeu. Le pull, franchement, je l'aime trop. Voilà. En plus j'ai froid, donc voilà. Pull de chez Capshi, de jegging de chez Kiabi. Moi j'aime bien les jeggings chez Kiabi. Regardez tout le bazar sur mon lit, je viens de mettre tout le linge qui était au sèche-linge pour le plier. Bien sûr, je vais mettre mes Dunk beige. Comme ça. Ça rappellera un peu le pull. Hop, je vais poser. Comme beaucoup d'oreilles, j'ai mis celle-ci de chez Shein. Je vais vous montrer vite fait, avant de plier le linge, justement, la blissime que j'ai reçue hier. Je suis abonnée à la blissime. Je pense que je vais me désabonner parce que là, j'aimerais bien utiliser un petit peu les produits que j'ai. Alors, tout d'abord, nous avons un produit pour les cheveux, pour les boucles. Curl Fusion. Voilà, nourrit et sculpte les boucles. De la marque Les Secrets de Loli, j'en entends pas mal parler. C'est un 100 ml. Alors faut savoir que moi à la base j'ai des cheveux bouclés, voilà, ondulés, bouclés, et que je les lisse. D'ailleurs il y en a une d'entre vous dans mon dernier vlog qui m'a mis un commentaire en me disant que c'était pas méchant, mais qu'elle me préférait sans lunettes et les cheveux lissés. Alors moi aussi en soi j'aime bien, je préfère être sans lunettes, sauf que sans lunettes je ne vois pas. Donc j'ai pas le choix, voilà. J'aimerais bien aussi, moi je me préfère sans mes cernes, mais tu vois j'ai pas le choix. Donc bah du coup voilà, j'ai les cheveux à la base moi bouclés, ondulés. Donc c'est des produits que je pourrais utiliser, mais en ce moment je suis dans ma phase où j'ai envie de me lisser les cheveux. Donc eh bien j'en ai pas besoin pour le moment. Ensuite on a un spray calming de la marque Groom. Voilà, à la camomille et noix de coco. Je m'étais dit ça va sentir trop bon et en fait c'est pas oufissime l'odeur. Ça sert à quoi? Ouais, c'est une brume apaisante tout simplement. Et celle-ci elle fait combien? 50 ml. Ok. On a une crème pour le corps de la marque Rituals. C'est le Ritual of Ayurveda. C'est pas ma gamme préférée chez Rituals, mais ça sera utilisé, c'est pas mal. Et ça, elle fait 70 ml. Nous avons ensuite une crème anti-pores dilatée en 20 ml de la marque Corez. Ça, par contre, je suis contente. Dedans, il y a de l'acide salicylique, lisse et équilibre. Voilà, ça, c'est trop cool. J'ai hâte de tester.
Et nous avons reçu un lip oil de chez Merci Andy de cette couleur là. Je sais pas s'il existe plusieurs couleurs, je suppose que oui. Ça sent trop bon. Trop trop bon. Ouais, ça sent trop trop bon. Alors vu que là j'ai les cheveux lissés et détachés, je vais éviter de mettre une lip oil parce que j'ai peur que mes cheveux collent dessus. Et la box c'était comme ceci, je la trouve magnifique. Voilà, moi après je les garde ça pour pouvoir ranger les choses dans mes placards, dans mes tiroirs, etc. Donc là comme je vous disais, je vais mettre mes lunettes pour voir quelque chose, d'ailleurs il faut que je nettoie. Je vais plier le linge là qu'il y a puisque je pars dans 15 minutes. Donc en gros je plie le linge et j'y vais quoi. Voilà, comme ça j'aurai ça en moins à faire ce soir. Donc ça c'est cool. Donc aujourd'hui, bah boulot, hein, je travaille. J'espère recevoir un mail comme quoi mes cartons sont prêts à l'entrepôt. Pour pouvoir aller les récupérer ce soir pour finir les commandes et pouvoir vous les expédier soit ce soir, soit demain. Parce que ça me saoule là d'être en attente de colis, de cartons, alors que vos colis sont prêts quoi. Donc j'espère recevoir le message aujourd'hui, sinon je les appellerai et puis voilà. Bref, je vous laisse et on se retrouve ce soir pour la suite. Bon, j'ai pas eu le temps de vous retrouver hier soir parce que on a fait beaucoup d'emballages de fondants. Je crois que j'ai fait au moins 300 fondants hier soir. Donc il a fallu tout emballer, mettre étiquette recto verso, donc 300 x 2 à chaque fois. Enfin, bref, du coup on a fait ça toute la soirée. On a fini à 22h. À 22h, je suis allée prendre ma douche et je suis allée me coucher. Voilà. Voilà, voilà, les enfants étaient déjà couchés, évidemment. Et là, ce matin, je vous ai pas retrouvé parce que les enfants dormaient. Je voulais pas faire de bruit avant de partir. Là, je viens d'arriver au boulot. Je suis passée au Mondial Relais ce matin. Je suis partie un peu plus tôt pour aller récupérer une commande fournisseur. J'ai commandé des clamshell comme ça pour Noël. Donc, je vais pouvoir enfin les faire parce que la commande devait être livrée dans un autre Mondial Relais qui n'est pas le mien d'ailleurs. Au final, c'était pas possible et du coup, ça a été livré dans mon Mondial Relais. J'ai pu le choisir, mais ça a mis du temps. Donc, je me suis dit, je vais jamais la recevoir cette commande et j'avais pas pris l'assurance. Apparemment, il y a beaucoup de colis qui se perdent de cette fournisseuse là. Et si tu prends pas l'assurance, bah c'est dans le cul, quoi. Voilà. Donc, j'avais un peu peur que ça se perde. Donc, je suis contente. Je le laisse, pour ça que je suis allée la récupérer dès ce matin. Et ce midi pendant ma pause, je ne vais pas prendre de pause, je vais aller chercher, j'ai fait une commande de carton en urgence, je n'ai plus de carton, c'est pour ça que là vos commandes prennent un peu de temps. En fait vos commandes sont prêtes mais il manque les cartons. Donc je vais aller ce midi pendant ma pause, comme ça ce soir je l'ai fait, je l'ai fini et c'est parti. Bref, du coup c'est parti, je vais bosser, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, avant que ce soit l'heure de commencer, je suis au travail, je vous montre vite comment je suis habillée, j'ai mis mon pull comme ça avec mes petites perles et j'ai mis des boucles d'oreilles qui vont avec en forme de perles. Et j'ai mis mon jean, un jean noir chez Zara. Je crois que je vous les ai jamais montrés. Mais moi, je suis secrétaire de Pneumo. Et regardez, j'avais acheté ça sur Shein. Attendez. Une affiche avec un poumon avec des fleurs. Il est pas trop beau. Et j'en ai pris d'autres pour ma collègue qui, elle, fait cardio. Et regardez. Là, on a un joli cœur fleuri et un joli cerveau. Je trouve ça trop sympa. Bon bref, je vous laisse parce que je vais bientôt commencer à travailler. Bon, ça y est, ma journée est terminée. Enfin, ma journée de travail, ma première journée, comme on dit, est terminée. Je vais attaquer la seconde journée, c'est-à-dire mettre mes enfants au bain. Je vais faire les commandes puisque... Enfin, les commandes sont prêtes, mais il me manquait des cartons, comme je vous disais. Je suis en train de fermer les volets des chambres. Ouais, j'avais plus de cartons, donc j'ai su aller ce midi pendant ma pause, comme je vous ai dit ce matin. Nickel. Pour ceux et celles que ça peut intéresser, si vous faites des envois, vous n'êtes pas obligé d'être professionnel, je pense pas. Pour commander sur ce site, c'est tout emballage. Il se situe à Brie-Comte-Robert dans 77. Ils peuvent faire la livraison à domicile. Moi, je vais aller le chercher parce que du coup, c'est gratuit. J'ai pris un gros sac de particules de calage. Je crois que c'est un 250 litres. J'ai pris des enveloppes bulles puisqu'elles viennent moins cher que quand je les prends sur Amazon. Et les cartons, faudrait que je calcule si c'est moins cher ou pas. Je crois que c'est un peu moins cher de ce que je prends d'habitude. Alors après, il n'y a pas exactement les mêmes dimensions. Mais ouais, je crois que c'est un petit peu moins cher. Donc bah du coup, là, tout est en bazar. Je suis passée à Action du coup aussi ce midi puisqu'il me restait du temps. Donc je vous montrerai ce que j'ai pris chez Action aussi.
Je vous laisse, je fais tout ça, on se retrouve plus tard. Bon, du coup, je vous retrouve, il est 21h30. Les enfants sont couchés, ils ne dorment pas encore, mais ils sont couchés. Est-ce que vous aussi, vos enfants mettent du temps à s'endormir le soir? Alors, Sacha s'endort assez rapidement, j'avoue. Raph, beaucoup moins rapidement. Et peu importe l'heure à laquelle on le couche, après, quand il école le lendemain, on les couche pas tard. Hein. Mais ça traînaille, quoi. Bref, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Eh bien, écoutez, j'ai emballé toutes les commandes, j'ai fait les cartons. On a été déposé dans plusieurs lockers les cartons. Il y en a qu'il faut que j'aille amener en point relais demain. Donc j'irai, je crois qu'il m'en reste 5 à déposer. C'est un truc de malade, toutes les commandes qu'on a eues. Franchement, merci mille fois. C'est juste un truc de dingue. Vous m'avez dévalisé, je n'ai plus rien sur la boutique. Donc j'essaie de faire du réassort tous les soirs. Là, ce soir, j'ai fait couler les clamshells. J'ai trop hâte de vous les montrer. Et de les mettre en ligne, je vous les montrerai. En plus, j'ai reçu de nouveaux parfums aujourd'hui qui sentent trop trop bon, donc je vous en parlerai demain. Et je vais remettre du stock et je vais faire des autres box pour Noël. Comme ça, je me dis, pour celles et ceux qui n'ont pas pu en avoir sur la première collection, là le premier jet que j'ai fait, eh bien vous pourrez en avoir là prochainement. Et j'hésite à faire un petit calendrier de l'Avent de 12 cases. Pareil pour ceux et celles qui n'ont pas pu avoir le calendrier de l'Avent 25 cases. Je me dis que ça peut être cool. Voilà, je vais voir, mais les box, c'est sûr que je vais en refaire. Il y aura d'autres box pull comme il y avait sur la boutique. Et une autre box, ça sera pas la même avec le petit chalet là de Noël. Mais ça sera dans un autre contenant. Mais bon, vous verrez. Vous verrez tout ça. Je vous retrouve là ce soir avant d'aller prendre ma douche parce que ce midi je suis passée chez Action. Comme je vous disais, je suis allée récupérer les cartons et comme il me restait du temps et que je voulais pas attendre dans ma voiture devant mon boulot, eh bien j'en ai profité pour passer à Action. Donc j'y suis allée, je suis allée à celui de Brie Contrebert, je vais jamais à celui-ci parce que j'aime moins, mais comme là j'étais à Brie Contrebert, j'en ai profité. Donc tout d'abord j'ai repris un bidon de lessive, voilà, je vous en ai déjà parlé, je vous en parle à chaque fois. Donc j'ai repris ça, c'est 2,95€, hop. J'ai repris des stickers à mettre sur les vitres pour Noël. Je crois que celui-ci, je ne l'avais pas pris la dernière fois. Alors là, c'est en gel. C'est en gel, voilà, tout simplement. Je trouvais très très beau. Voilà, donc j'ai pris celui-ci et celui-ci. Celui-ci, je ne sais pas si on ne l'a pas déjà pris la dernière fois. Bon, c'est pas grave, au pire, on a plein de fenêtres à la maison. J'ai pris deux rouleaux de papier cadeau Stitch. Comme je vous disais la dernière fois, ma nièce est à fond dans Stitch et j'ai trouvé cela à Action, donc elle va être trop contente. Voilà. Hop, j'essaie de mettre où je peux. J'ai trouvé ce gros nœud là. Je sais pas trop où je vais le mettre, mais je le trouvais trop joli. En espèce de velours. Oh, il est trop canon. Je ne savais pas combien il coûtait celui-ci parce qu'il n'était pas rangé à sa place. Et du coup, je ne sais pas. Nœud en velours, 3,48€. Voilà. Ensuite, les petits stickers là, c'était 99 centimes, il me semble. Les papiers cadeaux, 89 centimes. Autocollant fenêtre, 99 centimes. J'ai repris le même cahier que la dernière fois que je vous ai présenté parce que je le trouve vraiment trop beau. Et du coup, ça va être aussi pour offrir. Franchement, il est d'une qualité. Et celui-ci, je crois qu'il était dans les 2 euros. On va essayer de pas trop perdre de temps à regarder les prix. 2,19€. Voilà, j'ai pris ce petit kit de gloss pour ma nièce. Et je pense que je vais peut-être en tester un. Voilà, dedans il y en a 5. Comme je vous dis, j'aime bien lui faire un petit lot avec du maquillage, des trucs comme ça. Donc c'est la marque Max & More. Et donc il y a 4 glitters et 1 marble. Je sais pas si vous voyez, celui-ci est marbré. Ça c'est des combien? 2,49€. Voilà. J'ai pris ça, ça m'a fait trop rire. Alors c'est pas du tout le thème de notre sapin pour Noël. Mais il y avait une manette comme ça de console et je trouvais ça trop fun. Bon, la cassette un peu moins, enfin voilà, j'en aurais pas trop l'utilité. Et la petite valise, je me suis dit je vais l'offrir à mon frère. Moi je le mettrai en plus quoi. Parce que mon frère voyage énormément. Et du coup je me suis dit ça peut être cool. Voilà. Et ça, c'était dans les 3 euros, je crois, ou dans les 2 euros. 2,59€. J'ai pris des bananes comme ça, séchées, des chips de bananes. Ça, c'est plus pour faire une petite collation quand je suis au travail, voilà.
J'ai pris aussi un mélange de noix, mais qui est déjà dans la cuisine. Ça, c'était 1,19€. J'ai craqué. Alors ça, 100% gadget. Hein. Je vous disais, il y a quelques jours que j'arrêtais d'acheter des connes réactions. Bah voilà, j'ai récidivé. J'ai pris ce stylo en pain d'épices. Je trouve trop mimi. Voilà, avec un petit pompon. Bon, comme vous le savez ou pas, d'ailleurs, je suis secrétaire médicale. Je me suis pour le bureau. Ça va être fun d'écrire avec ça. Voilà, et je crois que c'est 99 centimes. Ouais, 99 centimes. Ensuite, j'ai pris un petit sapin comme ça, lumineux. Alors ça, sincèrement, je sais pas si je vais le garder pour le boulot. Je vais mettre ça sur mon bureau, histoire d'être un peu dans le thème Noël, hein, quand Noël arrivera. Hein. Hop là. Ou si je mettrai sur mon buffet à la maison. Ah, mais il change de couleur. Non? Ah oui, trop bien. J'ai pris une boîte de rangement aussi à 3,79€ qui fait 17 litres pour ranger des trucs pour la boutique toujours. J'essaie de trouver le prix de ça, mais je ne trouve pas. Ah si, sapin, 1,42€. Voilà, franchement, il est trop, trop chou. Ensuite, j'ai pris la crème de la marque Révolution Skin. Donc, c'est un nettoyant pour le visage. Qu'est-ce qu'on nous dit en French, please? Bon, c'est pas marqué en français. Bon, après, si, il y a marqué masser le produit chaque matin sur une peau sèche. C'est un grand contenant. Hein. Voilà. Et ça fait 100 ml. Je sais pas si je le garde pour moi ou pour ma sœur, vu que je l'ai dit pour la fin d'année, je lui fais un peu une skincare, quoi. D'ailleurs, faut que je regarde sur Hello Body. Il y a quelques années, j'avais acheté toute la gamme Hello Body à ma sœur. Pareil pour la fin d'année, elle avait bien aimé. Et là, j'ai vu qu'il y avait des promos, tout le site, tous les articles du site sont à 11€. Voilà. Donc ça vaut le coup parce que c'est une marque qui est pas donnée. Je sais que ça a fait le buzz de ouf pendant un moment. Plus maintenant. Mais du coup, je sais pas si je lui prends des produits. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé Hello Body. Qu'est-ce que vous en pensez et quels produits vous me conseillez pour que je prenne à ma sœur. Moi, j'avoue, j'ai déjà plein de produits, donc je vais pas en racheter pour la skincare, n'est-ce pas? Et j'ai pris un brillant à lèvres de chez NYX à 2,79€. Celui-ci n'était pas dans mon Action et je l'ai vu dans les vidéos TikTok. Je me suis dit, quoi? Il y a du NYX chez Action. Désolée pour le bruit. Il y avait plusieurs couleurs et j'ai eu envie de craquer pour celui-ci. Alors j'espère qu'il colle pas trop. Par contre, les trucs comme ça, là, les étiquettes, c'est pour me faire perdre patience. C'est pas possible. Mais après, c'est bien, au moins on sait que ça n'a pas été utilisé. Je voulais le tester avec vous, mais ça y est, j'ai réussi. On va le tester. Et il sent pas ouf. Voilà, bon, ouais, pourquoi pas? Hein, pourquoi pas? Ah ouais, le truc, il s'est mal mis dessus. Ouais, par contre, c'est vraiment un gloss, quoi. Aïe, 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 attends, pourquoi ça brûle, là? Ah, c'est un plumping. Ah, il va me gonfler les lèvres. Ah non, j'ai pas envie ce soir, là, que ça me... Ah, ça picote, hein. Ça picote, ça picote. Je savais pas, j'avais pas lu. Je le mettrai, hein, c'est pas le problème, mais pas ce soir. Ça, hein, je vais pas me faire pulper les lèvres avant de dormir, hein. J'aime pas trop les trucs qui piquent un peu les lèvres, là, qui picotent comme ça. Je suis pas fan. Eh bien, heureusement que j'ai pas pris ça pour ma nièce. Tu vois, je voulais en prendre pour ma nièce. Bah, heureusement que j'en ai pas pris parce que... Eh bien, écoutez, contente quand même de ce petit produit. Voilà. Rien de foliche. Mais je suis quand même contente de ce que j'ai trouvé. Bon, c'était vraiment pour passer un petit peu le temps de ce midi. Je vais remettre du baume à lèvres parce que du coup, moi, ce genre de truc, ça me tue les lèvres. Voilà, donc du coup, bah, je vais ranger tout ça. Je vais aller prendre ma douche, comme je vous disais. Et ensuite, je vais aller me coucher, je vais me poser devant des vidéos YouTube, faire un petit peu le point Chine. J'ai une commande à faire. Et puis voilà, tranquillou. J'espère que vous, ça va, que vous n'êtes pas trop fatigué. Parce que c'est vrai que là, avec le changement de temps, etc. Enfin, nous, ça y est, il fait froid. Je sais pas si chez vous aussi. Enfin, j'ai vu à Marseille le week-end dernier, il faisait 30 degrés. C'est un truc de dingue. Désolée, je remets dans le sac. Donc, j'espère que vous, ça va. Vous ne tombez pas malade, parce que là, je peux vous dire que je suis secrétaire médicale en pneumologie. Et là, ça y est, hein, ça commence à tomber malade sévère. Donc, j'espère que vous, chez vous, ça va. Vous avez vu tout le bordel derrière. J'ai tout ça à emballer, à ranger. Hop, je vous débranche. On ne peut plus rien voir.
Donc c'est l'heure d'aller prendre sa douche et de vous laisser pour ce soir. On se retrouve demain pour la suite. Hello, aujourd'hui nous sommes jeudi matin. Ah, la semaine elle est passée vite, hein, c'est un truc de dingue. Jeudi matin et j'ai trop hâte, ma mère arrive dimanche. Oh, je suis trop contente. Je viens de me préparer, là je vais m'activer un petit peu. Je commence à avoir mal au ventre maintenant si je vais pas avoir mes règles. Faut que je regarde. Boucle d'oreille, Shein, tenue du jour. Il y a plein. J'ai mis ma petite Mayfair bleue avec un collant noir, bottine sans talon aujourd'hui. Au niveau du parfum, bah mon coup de cœur hein, de chez Knox en ce moment, 70-44, c'est le Kayali Vanilla Sugar. J'ai l'impression que tout le monde l'a pris chez Knox. À chaque fois que je vois des vidéos des personnes qui sont en collab avec Knox, elles parlent de ce parfum. C'est une dinguerie, franchement, il sent tellement bon. En même temps, c'est normal. La promo est valable jusqu'au 30 novembre. Vous avez exceptionnellement, avec mon code promo, moins 25% sur tous les parfums Knox. Voilà, c'est des parfums équivalence de grandes marques pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Et c'est une dinguerie. Voilà, si j'en mets tous les jours, c'est pas pour rien. J'adore ces parfums. Et dans ma prochaine commande, je vais prendre tous les autres Kayali parce que franchement, dinguerie. Bon, je me dépêche, je vais préparer les zouzous et c'est parti pour l'école et je vous retrouve tout à l'heure, je pense, pour la suite. Je vous ai pas retrouvé depuis que je suis rentrée du travail parce que j'ai fait plein de bougies, je sais pas si vous les voyez là. J'ai fait mes fonds de bougies, je ferai la chantilly demain. Et là, on est en train de faire des petits jeux de société avec les garçons. On joue au Wasabi. On aime bien se mettre par terre quand on fait des jeux de société. 3. Donc du coup, Wasabi pour ce soir. Et après on fait une petite partie de Sky Joe et après je vais préparer les commandes que j'ai eues aujourd'hui. Comme ça j'irai tout déposer demain matin. Rien de particulier ce soir, mon père est venu. Ensuite j'ai fait à manger, on a mangé. Puis voilà, comme d'hab. Petit jeu de société du soir avant d'aller faire dodo pour les zouzous. Je vous retrouve demain pour la suite. Aujourd'hui nous sommes vendredi matin et c'est le dernier jour de la semaine pour le travail. En tout cas j'ai mes cheveux qui partent en vrille. Je les ai pas lissés, ils font leur live, c'est pas grave. Je me suis fait un petit peu à la bourse ce matin, mais ça va, j'ai réussi à rattraper mon retard. Faut que j'aille déposer des colis ce matin, et si j'ai le temps de récupérer un drive, sinon ça attendra fin de journée. Aujourd'hui, je travaille normalement, je forme quelqu'un à mon poste. J'avoue que ça m'enchante pas spécialement, parce que déjà, j'aime pas du tout former les gens. Et en plus, j'ai beaucoup de boulot et du coup, j'ai pas spécialement le temps, quoi. J'ai pas spécialement que ça va faire, mais bon, c'est pas grave. Et en fin de journée, je passe mon IRM cervical qui a été demandé par mon médecin pour voir s'il n'y a pas quelque chose. J'ai coupé ma frange ce matin, ça se voit, c'est très moche, c'est très court. C'est pas grave, au moins elle me gêne plus parce que là, c'était chiant. Là, un pull comme ça, Cupshe, et un jean Kiabi. Je crois que mes jeans, à part Kiabi, Stradivarius et un peu Pull & Bear, j'en ai pas d'autres, quoi. Voilà, et comme chaussures, je ne sais pas. Je vais mettre mes Dunk dorés. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Enfin, je les avais déjà montrés, mais j'ai mis des lacets dessus, dorés comme ça, j'adore. Les lacets viennent de chez Shein. Voilà. Comme parfum, j'ai encore mis le 70-44. Hier, je vous ai pas précisé, mais dans la promo Knox, là, qui est valable jusqu'à la fin du mois, donc vous avez moins 25% exceptionnellement sur mon code promo, qui est un lien. Donc le lien est affilié, donc je touche une commission sur vos achats. Et vous avez un bracelet offert en acier inoxydable, donc ça c'est top. Le mien est ouf, il est dans mon bazar sur ma coiffeuse, mais genre c'est vraiment le bordel. Et à partir de 100€ d'achat, vous avez un gros cadeau, un sac pour homme, pour femme, foulard, enfin voilà. Donc ça vaut le coup si vous avez des achats pour la fin d'année à faire, bah c'est le moment. Voilà, faut pas attendre parce que normalement les codes promo, on sait, ça dure quelques jours. Là, ça dure un mois. Genre, c'est la première fois qu'ils font ça, je crois. Donc, trop bien. Du coup, voilà, 70-44, c'est le Kayali, je vous le dis tous les jours. Mais en ce moment, je suis là-dedans. Je vais finir de me préparer et on se retrouve du coup ce soir pour la suite. Hello, aujourd'hui, nous sommes samedi matin. Il est 9h, je suis réveillée depuis 7h. On a dû mettre un réveil de bonne heure ce matin. Attendez, je vais m'asseoir 2 minutes. Ouh. Parce que Raph a un tournoi de foot à une demi-heure de chez nous. Ça dure toute la journée, il fallait être là-bas à 8h30. Donc du coup, on s'est levé de bonne heure. Sachou s'est réveillé aussi alors que lui aurait pu dormir. Du coup, j'en avais profité ce matin, j'ai rangé un peu ma salle de bain. J'ai rangé toute ma coiffeuse, fait ménage. J'ai tout ça de linge à plier et à ranger. J'ai encore une machine en route. J'ai rangé aussi le meuble à chaussures.
qui est en bordel. En fait, on a des chaussures partout à la maison. On a un petit meuble à chaussures dans l'entrée où on met nos chaussures du jour. Moi, j'ai une boîte énorme sous le lit avec toutes mes chaussures d'été et mes escarpins. Et j'ai un autre meuble à chaussures avec toutes mes baskets. J'avoue que j'ai beaucoup de chaussures et encore, je fais souvent un tri. Et là, en fait, bah, c'est la merde. Je vous montre. Parce que je dois partager ce meuble avec mon mari et mes enfants. Enfin, en gros, là, il y a les chaussures de Raph. Celle-ci, il n'aimait jamais. Celle-ci, je crois qu'il n'est pas bien dedans. Bon, celles-ci, elles sont toutes neuves. Il y a encore l'étiquette. Celle-ci, ça s'achoue. Toutes neuves. Voilà. Et en fait, en bas, c'est les crampons des garçons, les crampons de mon mari, machin. Donc moi, je sais pas où mettre toutes mes bottines. Là, j'ai acheté des Stan Smith, je ne sais pas où les mettre. Voilà. Et j'ai fait du tri. Là, je vais enlever cette paire-là, que j'aime beaucoup. Hein. Elles sont toutes neuves. Enfin, j'ai dû les mettre deux fois parce qu'en fait, en argenté, j'ai déjà celle-ci que j'aime beaucoup, mais elles sont un petit peu lourdes. Et Adidas. Et après, en grise, j'ai mes Dunk grises. Voilà, donc du coup, ben, voilà, je sais pas trop comment ranger. Donc là, j'ai mes bottines, ou voilà, je ne sais pas. J'ai encore un petit espace là, mais les bottines ne rentrent pas. Je vais voir, je vais ranger tout ça, après je vais ranger mon linge. Ensuite, je vais me préparer. Bon, là, je me suis brossé les dents, nettoyé le visage. Mais je vais ensuite aller à la douche, m'habiller. Et faut que j'aille déposer des colis. Et à 13h30, faut que j'amène sa chou au foot, dans une autre ville que chez nous. Et que bah, je reste là-bas avec lui, évidemment. Donc, moi qui voulais faire de la prod aujourd'hui, c'est un petit peu loupé. Voilà. Et il faut que je range tout ça, là, derrière moi. Puisque là-dedans, il y a des cadeaux de fin d'année pour ma nièce, pour ma sœur. Il faut que je les emballe et que je les mette de côté. Et là, on a les boîtes de trucs que j'ai commencé pour le marché de Noël. On va y arriver, ça va le faire. Ma mère arrive demain et j'aimerais que ma chambre soit nickel pour qu'elle, quand elle arrive, histoire qu'elle puisse poser ses affaires tranquille. Voilà, hier j'ai coupé ma frange beaucoup trop courte, mais bon, je sais quand 3-4 jours à part pousser. Donc, voilà. Bon, je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on vient d'entrer avec sa chou, on est allé, j'ai voulu aller déposer le swap de Marie. Sauf que dans le locker, il n'y avait pas de grand casier. Du coup, j'ai dû aller dans un autre locker. Là, en plus, il y avait les livreurs, donc ils m'ont pris mon carton direct, donc ça c'est cool. Hop là. Ensuite, on est allé à Jiffy. Je voulais voir un truc au final. Bon, il n'y avait pas ce que je voulais. Je suis dégoûtée. Je vais regarder sur internet. C'est pas grave. Et on est allé récupérer. J'ai fait un petit drive. Ma mère arrive demain et du coup, on a préparé quelques repas. Enfin, on s'est organisé pour quelques repas. Et en mettant le drive dans la voiture, parce que j'avais la petite voiture, je me suis pété un ongle. Non, mais regardez. Donc, du coup, bah, je vais les enlever. Enfin, là, je vais le couper à ras parce que clairement, j'ai pas le temps de me les refaire là. Et je vais vous montrer vite fait ce qu'on a appris au drive. Attendez, je vais couper le son de la télé. Sache que tu peux baisser, mon amour. Ouais, je vais me mettre debout, ça sera plus simple. Donc, je sais pas comment commencer. J'ai pris deux pâtes à pizza pour faire des pizzas maison, comme on appelle ça. Il y avait une promo à acheter deuxième à moins 50%, il me semble, sur la crème liquide. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris des petits trucs de beurre comme ça, parce qu'on en avait besoin de petits comme ça, tout simplement. Des petits fromages fondus comme ça pour sa chou. Pour un apéro, on a pris du comté. Des rillettes, il y avait pareil une promo à acheter, deuxième à je ne sais plus combien. Du coup, on en a pris un comme ça et un autre au poulet. Voilà, pareil pour les apéros. J'ai repris des flambis comme ça pour les garçons. J'ai repris alors des tampons, j'en mets jamais. En fait, avant j'étais petit racontage de vie. Avant j'étais team tampon, je ne mettais que ça. Et depuis que j'ai accouché de Sacha, je ne les supporte plus. Mais là, j'ai besoin. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Et j'ai repris des serviettes hygiéniques puisque mes règles arrivent. Il y avait une promo sur les produits vaisselle comme ça. J'en ai déjà pris hier. Là, ça fait plusieurs jours que je fais le drive parce que tous les jours il y a des nouvelles promos. Je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai profité des promos. Il sent quoi? Je l'ai jamais vu celui-là. Fleur de lotus et Christ marine. Il sent trop bon. Et dedans, il y a des petites billes. J'ai pris deux paquets d'allumettes comme ça, puisqu'on a prévu de faire des pâtes carbo. Pour l'apéro, un Santagone comme ça. Des petits apéris frais.
de la rosette. Alors mes fils adorent celle-ci, c'est la premier prix, mais parce que dedans il n'y a pas de grains de poivre. Voilà. J'ai pris des viennois comme ça à café, des liégeois au café et des mousses liégeoises au chocolat. Voilà. On continue. J'ai pris un gros pot de crème fraîche comme ça. Et il y avait des promos sur les yaourts à boire. Donc Sacha adore les yaourts à boire. Donc je lui ai pris fraise, framboise, vanille. Voilà, comme ça, on est tranquille. Ça revenait à 1 euro et quelques le paquet. Ça va du coup. Parce que les yaourts à boire, c'est quand même pas donné. Toujours pour l'apéro, j'ai pris des pickers comme ça. C'est trop, trop bon. Si vous aimez bien le cheddar, évidemment. Donc dedans, il y a juste du cheddar. Voilà. C'est super bon. Ça se réunit surgelé. Des Doritos parce que ça, j'adore ça. J'ai repris également deux paquets de comme ça pour sa chou, là, les tuiles crème oignon, il les adore. Un paquet de cookies. J'ai pris également du guacamole pour l'apéro toujours. Ah, on a eu des cartes Marvel. J'ai vu que Mel avait mis un message sur Facebook savoir si on s'en servait pas. Fallait le mettre de côté, donc je vais le mettre de côté parce que je ne m'en sers pas. J'ai repris des pommes potes. Et deux jus de pommes, il y avait une promo pareil à acheter, le deuxième à moins 50. Il m'en reste, mais quand il y a des promos, j'en profite pour refaire le stock. Voilà, on a fait des grosses courses le week-end dernier. Là, c'était vraiment pour compléter et pour profiter des promos. Va chercher un verre, chérie. Et pour profiter des promos, et je vous expliquerai, mais on avait besoin de choses à emporter. Les bouchons là qui restent collés, je peux plus. Je ne peux plus cette invention. Voilà. Sinon, hier, j'ai bien avancé sur la production de bougies. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, je suis très contente. Je vous montrerai tout ça, mais j'ai fait des nouveaux clamshells de Noël. Et je les adore. Bon, alors, on voit rien. Je me mets en contre-jour, évidemment, Mélanie. Hop, puis là. Des clamshells comme ça de Noël. Voilà, avec des petits sapins bleus et blancs. On a ceux-là. J'ai pas encore mis les petites pampilles, mais il y en aura aussi. Voilà, ça c'est roulé à la cannelle. Ceux-là, c'est bonbons de pommes givrés. Oh là là, cette odeur. Coup de cœur. J'adore. Et on a ceux-là, pareil, j'ai pas encore mis les petites pampilles. Ceux-là, ils sentent le sablé de Noël. Voilà, j'adore. Trop contente. J'ai refait les petits pulls de Noël et je vous dis, j'ai refait des bougies même de la gamme permanente. Voilà. J'aime trop l'odeur. Alors, je me suis foirée sur les bougies personnages. Je ne sais pas pourquoi, pour toutes les bougies, à chaque fois je regarde sur le site pour être sûre des couleurs, parce que souvent, bah voilà, il y a des couleurs différentes pour la chantilly et pour la cire en bas. Et pour personnage, je n'ai pas regardé. Et j'étais persuadée que le fond était bleu et la chantilly blanche. Ce qui n'est pas logique puisque le petit ourson est blanc, donc sinon il ressortirait pas. Et au moment où j'ai mis toute ma cire là qui durcit au bleu, je me suis dit, eh merde, mais c'était trop tard. Donc j'ai essayé de faire une chantilly un peu plus bleu marine, qui est très jolie, j'adore la couleur de la chantilly, et faire les petits oursons blancs. Je reçois normalement aujourd'hui des feutres exprès bougies, puisque le mien est terminé. Donc je vais pouvoir peindre les petits yeux et peut-être un petit peu les oreilles. Du coup, elles sont comme ça et je suis pas très très fan du rendu là, le bleu. Donc je sais pas si je vais les mettre sur la boutique ou pas, ou si je les garderai pour le marché de Noël. Je sais pas. Je ne sais pas parce que du coup sur la boutique c'est pas cette photo là qu'il y a, donc je veux pas que après on me dise oui mais j'ai commandé, le fond est blanc et là je reçois bleu, ce qui est normal. Hein. Donc je pense que je vais mettre ça sur le marché de Noël comme ça. Voilà, il y a pas de photo à refaire ou quoi. Et j'ai refait des bougies aussi. Au mon oeil, ça sent trop bon mon oeil chez moi là. Ça sent bon toutes les bougies en vrai. Donc voilà, j'ai refait des fondants crémeux macaron vanille. Enfin, j'ai refait plein de trucs. J'ai refait des fondants également marron glacé. J'en ai refait sucre d'orge, pain d'épices. Il en reste des caramels crémeux. Et cet après-midi, quand on rentrera du foot, je m'attaquerai à refaire des box. Voilà, alors ce sera plus les petites box chalet comme il y avait sur la boutique pour la collection de Noël. Ça sera d'autres formats, mais je pense qu'il y aura le même contenu de la box chalet Noël, mais dans une autre box. Et j'en ferai d'autres, des box avec d'autres contenus, évidemment. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour la suite. Et on est rentré du foot. Franchement, je suis frigorifiée. J'avais mis un gros manteau. Maman, on va faire ça. Ah bon, on va regarder ça. Ok. Frigorifiée.
frigorifié. J'ai très froid. Mon fils a très très bien joué au foot. Je suis trop fière de lui, franchement. Il joue trop bien. Franchement, il joue trop bien. Je dis pas parce que c'est mon fils, mais vraiment, voilà, je suis fière. C'était, c'est trop bien, c'était sympa. Juste, ouais, il a fait super froid, quoi. Donc, bah, les joies des tournois de foot le week-end, quoi. On est rentré, il a pris cette petite douche chaude pour le réchauffer un peu, comme ça il est en pyjama, il est tranquille. Là, il est 15h42 exactement. Mon mari et Raph sont encore au tournoi de foot de Raph. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser dans le canapé. Je vais me faire un café, on va se poser dans le canapé avec sa chou. On va faire des petits jeux de société. Et puis après, je pense que je ferai un petit peu de prod. Il faut que je fasse un petit peu le point sur ce qu'on va faire comme box. Là, je vais essayer tout le mois de novembre et début décembre de vous sortir des nouveautés tous les week-ends. Voilà, concernant l'hiver et Noël. Donc là, ce week-end, ce qui sort en nouveauté, ça va être les clamshells de Noël. Et le week-end prochain, il y aura les box. Voilà, je vous montre vite fait parce que c'est tout ce qu'on a pris tout à l'heure chez Jiffy. Sacha a trouvé très jolie cette guirlande, et moi aussi d'ailleurs, guirlande rouge avec des petits sucres d'or, je la trouvais trop mignonne. Donc on l'a prise, elle était à 3,49€. Voilà, je viens de faire mon café et je vais faire les jeux de société avec mon baby. Ah bah je vais vous montrer, tiens, donc je suis là, comme ça après je la range. J'ai, hop là, reçu la Degusta Box et je vais vous montrer, j'ai aussi reçu... une commande Amazon. Je vais vous montrer déjà la tête que j'ai, ça fait flipper. Je vais vous montrer déjà le drive. En fait, il est resté des sacs dans la voiture. J'ai pris plein de gâteaux parce qu'il y a des promos sur les gâteaux. Donc il y avait Saint-Michel comme ça. Voilà. Tu les aimes pas, tu les as goûtés tout à l'heure. J'ai pris du café comme ça, grande baie, puisque ma mère déjeune ça le matin. J'ai pris ceux-là, je les connais pas. Les petits chocos de bonne maman. Délicat comme ça. J'ai repris ça parce que la dernière fois j'en ai pris, mon mari m'a dit que c'était trop bon. Des paniers comme ça, j'ai encore des cartes. Ça, on n'ouvre pas 10 000 paquets. Là, c'est un lot de 2 paquets. Des petits cookies comme ça. Des tomates cerises. Une sauce salsa comme ça et une autre comme ça pour les faritas. Ça, pareil, c'était en promo. Des tartelettes à la framboise comme ça. Bonne maman. Voilà pour les gâteaux. Donc du coup, je vais vous présenter la Degusta Box du mois de novembre que j'ai reçue ce matin. Comme ça, c'est fait, je peux la ranger et je peux manger des trucs. Alors, donc le thème du mois de novembre, c'est en famille. Voilà, vous avez mon code promo en barre d'infos pour la Degusta Box que je reçois gratuitement. Je suis pas payée pour vous en parler. Voilà, voilà. Dedans, on a une carte de 95€ offerte plus 3 cadeaux sur HelloFresh. Voilà. Donc ça c'est cool et bien c'est parti. Ouais, c'est parti, je vous présente ce qu'on y trouve. Alors pour commencer, on a des mini brioche burgers avec des petites graines de sésame comme ça de la marque La Fournée Dorée. Ça c'est trop cool pour faire soit les petits burgers pour les garçons ou pour faire les petits burgers à l'apéro. Ça j'adore, on en a déjà eu et c'est un délice. Ça coûte 2,39€, il y en a 10 à l'intérieur. Ouh là. Ensuite, on a une brique de sauce tomate cuisinée de la marque Heinz. Ça, c'est parfait, que ce soit pour faire des pâtes bolo, pour faire des pizzas maison. 1,79€. Celle-ci, c'est original et vous pouvez avoir la ail et oignon, apparemment. Ah non, celle-ci, il y a aussi... Bah, ça a l'ail et l'oignon. Ok. Nous avons également reçu, que je viens de percer avec mon ongle, des nouilles instantanées de la marque Tezuki. Au poulet teriyaki, ça c'est cool, moi j'aime bien les trucs comme ça. Bon, ça coûte 1,95€, donc c'est pas donné je trouve. Ensuite nous avons du thé noir fruits rouges à la fraise de France, de la marque Lipton. Alors moi j'aime pas du tout, du tout, du tout le thé. Mais pour les gens qui viennent à la maison qui aiment le thé, c'est cool. Et ça, ça coûte 2,99€ et dedans vous avez 20 sachets. Je le dis tout le temps, mais la Degusta Box, j'aime trop. En fait ça permet de faire des découvertes, des choses qu'on n'aurait pas spécialement achetées. Et ça c'est top. Ça, qu'est-ce que c'est? Deux canettes Tropicana Juicy. Je ne connais pas. Donc, c'est un jus de fruits avec de l'eau. Ouais. Tropical. Ok, oui. Je pense que c'est un peu style oasis, quoi. Ouais. Et ça, c'est 3,90€ le pack de 6. Donc, ça va au niveau du prix, je trouve. On a ensuite des Kinder Surprise.
Donc dedans, il y en a 3, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la base pour les enfants. 3,59€. Ouf là. Ça, ça va être mangé ou pas? Oui. Oh là là, ça, je kiffe. Ah, je le connais pas, celui-là. Quoi? Le lait concentré de la marque Régilet. Et là, c'est à la coco. Ça, ça coûte combien? 1,39€. Alors, je sais pas pourquoi vous en servez. Bon, j'avoue que j'en mange plus. Avant, ça m'arrivait d'en manger comme ça, quoi. D'ailleurs, je vais le goûter. Et est-ce que vous vous rappelez, enfin, moi, perso, quand j'étais petite, il y avait les berlingots, tic et tac. C'était en forme triangulaire. Et dedans, c'était du lait concentré. Il y avait fraises, vanille, enfin, ouais, c'était nature, quoi. Et chocolat. Oh, mais ça, c'était une dinguerie. J'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas. Et ça, dans ma famille, on aime trop ça. Bah, je le goûterai. Noix de coco, ça peut être cool. Ils disent qu'on peut l'utiliser dans les boissons froides et chaudes pour faire des desserts en gourmandise et sur des tartines. Et bah nous, c'est en gourmandise. Qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que c'est une bière. Fleur de houblon IPA. 50 centilitres. La canette, elle est très belle. Elle est toute noire. Et là aussi, c'est noir. Je trouve ça très joli. Donc, c'est une bière. Ouais, voilà, c'est une bière. Moi, j'y connais rien aux bières, hein, sincèrement. Donc, eh bien, c'est cool. Ça coûte 2,40€ la canette. Donc, eh bien, écoutez, ok. Ah, bah, c'est cool. On a un saucisson de la marque Le Cochonou. Donc, la ficelle. Voilà. Ça, c'est 3,15€. Ça sera évidemment mangé à la maison. Et pour finir, nous avons... Qu'est-ce que c'est ? La confiture, trop cool. Oh là là, cerise et fraises en plus. La marque Purvia, donc c'est une marque avec qui fait des confitures pas trop sucrées, je crois. Ouais, c'est ça. 60% de sucre en moins, 70% de fruits. Voilà. Et donc ça, vous pouvez recevoir soit la confiture cerise fraise ou la abricot pêche. Et c'est 2,50€ le pot. Donc ça, c'est trop cool. Ah, il reste encore un truc que j'avais pas vu. Et on a un bouillon ail et persil. 100% végétal, sans huile de palme de la marque Magie. Alors moi je déteste le persil. Mais après je me dis dans des repas ça peut être ça, je pense que ça passe. 1,30€. Voilà pour la dégustation box shop, elle est archi complète. Je suis super contente, tout sera mangé. Sauf le thé ne sera pas bu par nos soins en tout cas. Mais pour quand on a du monde ou alors je le donnerai, enfin voilà. Mais tout le reste, ça sera ouais, ça sera mangé avec plaisir. Donc merci à la Dégustabox de m'avoir envoyé bah, encore une fois cette jolie box. Comme je vous dis, vous avez mon code promo qui vous donne la Dégustabox à 10,90€. Donc voilà, ça m'apporte pas de sous, mais vous, ça vous fait une promo, donc c'est pas mal. Donc du coup, je vais ranger tout ça. Ensuite, je vais aller me coucher. Non. Bah quoi? Je vais écouter. Je comprends pas, tu parles la bouche pleine en plus. Je vais écouter. Ah bon, je vais faire quoi? T'as un jeu de société avec moi. Un jeu de société avec toi. Ok. Bon, du coup, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard pour la suite. Bon, du coup, je vous montre vite fait ce que j'ai reçu d'Amazon, que j'ai commandé. J'ai repris des sachets comme ça pour emballer les fondants. J'ai pris des nouveaux sachets pour les box. Je vous spoil du coup sur les prochaines box. Je vais les découvrir en même temps que vous. J'ai pas eu le temps encore de regarder. D'ailleurs, vous êtes pas mal à m'envoyer des mails, à me poser des questions ou sur Insta, à me demander si je vais refaire des calendriers de l'Avent. Donc non, comme je vous avais dit la dernière fois, malheureusement, je ne pourrais pas refaire de calendrier de l'Avent. Par contre, il y aura d'autres nouveautés pour Noël. Des box, hein, voilà, il y aura plein de choses, des coffrets qui arrivent. Donc voilà. Donc là, les petites box, elles se présentent comme ceci. Ça va être encore du montage. Voilà. Hop. Ça, c'est l'inconvénient des box. À chaque fois, c'est qu'il faut tout monter, tu vois. Donc, ça sera un sachet comme ça, qui est cartonné, avec un ruban comme ça. Ils sont trop jolis. Et dessus, c'est aléatoire. Vous accrochez ça, en fait, sur le ruban. Donc, il y a pain d'épices, il y a les boules de Noël. Il y a le traîneau du Père Noël, trop joli. Voilà. Il y a les cloches. Trop sympa. Je suis trop contente. Et une autre box. Donc là, en fait, à la base, c'était pas... Enfin, c'est pas que c'était pas prévu que je refasse des box, mais sincèrement, je pensais pas que ça allait partir aussi vite sur la boutique.
Et du coup, je m'étais dit que les box chalet, il allait en avoir assez, sauf que bah pas du tout, c'est parti en 24 heures, tout ce qu'il y avait. Donc du coup, c'est pour ça que je veux refaire des box. Désolée, je vous regarde pas parce que je suis en train de la construire en même temps pour pouvoir vous la montrer. Et donc, j'ai pas pu commander chez mon fournisseur les box. Donc c'est pour ça que là, je les ai pris sur Amazon. Je les paye plus cher, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Elle est canon, par contre, elle est immense. Je pensais pas qu'elle allait être aussi grande. Je la voyais plus petite, pourtant, bon, il y avait les dimensions, hein, mais je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un coffret pareil en craft. Voilà, qui est très très joli. Qui sera fermé, hein, vous voyez. Et là, on a un plastique transparent, comme ça, vous pouvez voir à l'intérieur. Donc, j'ai commandé des frisures à mettre dedans pour pouvoir mettre les fondants dedans. Je ne vais pas vous les mettre comme ça dans la boîte. Même à l'arrière, elle est décorée, je la trouve très jolie. Et dessus, donc, elle sera fermée avec des rubans comme ça. Donc, par-dessus, quoi, je vais vraiment la fermer. Et ce que je trouve très sympa, ça, j'avais pas vu, par contre, c'est que vous avez la petite étiquette que je mettrai avec le ruban, là. Et donc, si vous voulez l'offrir, bah, vous pouvez marquer pour qui c'est, de la part de qui et tout. Donc, je trouve ça trop sympa. Pardon. Donc, ça, pareil, ça sera aléatoire. Il y a le Père Noël. Vous ne pourrez pas choisir le motif. Hein, désolée, mais sinon, je ne vais pas m'en sortir. Le petit bonhomme pain d'épices. Je crois qu'il y a un bonhomme de neige aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça pareil, il va falloir faire du montage et je vais voir avec mon mari, on va se poser, savoir ce qu'on fait à l'intérieur, comme ça je vais commencer, bah pas ce soir parce que normalement je vois une amie, mais peut-être dès demain, voilà. Donc à voir, d'ailleurs si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez qu'il y ait dans la box, et bah n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce qu'elle sortira je pense fin de semaine prochaine. Donc du coup bah, comme ça vous avez le temps de me donner vos idées et ça peut être cool, ça peut être carrément cool, donc n'hésitez pas à me donner des idées de ce qu'il peut y avoir dedans. Est-ce que je mets que des fondants, est-ce que je mets aussi un fondant crémeux, est-ce que je mets un fondant crémeux, une suspension voiture et quelques fondants, je sais pas, donc dites-moi dans les commentaires, ça peut être cool. Donc voilà, très sympa, très très sympa. Voilà, et j'ai d'autres box aussi qui arrivent. Les cheveux qui sont crado, je vais les laver demain. J'avais commandé mes stylos exprès pour bougies. Voilà, en fait ça se présente comme ça, je vais vous montrer. Donc il y a plusieurs couleurs et moi c'est le noir qui m'intéressait. Voilà, donc pour info, ce sont des stylos à bougies avec de la cire d'abeille. Hein. C'est clean, ça aussi, voilà, je mets pas... Je mets pas de la crotte sur mes bougies. Et moi ouais, j'avais besoin du noir pour faire les yeux du ours polaire qu'il y a sur la bougie personnage. Voilà, donc du coup je sais toujours pas si je mets la bougie personnage là, celle-ci. Hop, bleu et bleu sur la boutique. Je sais toujours pas. Voilà pour mes commandes Amazon. J'en attends encore pas mal parce que j'ai recommandé des cloches à mettre sur les bougies. Ça, il faut absolument que je trouve un fournisseur qui en fait et que je paye moins cher. Parce que ça, par contre, j'en ai pas trouvé ailleurs que sur Amazon. Et pour le coup, je les paye cher, les cloches à mettre au-dessus de la bougie. Vous savez, pour pas que la bougie s'abîme à l'envoi. Et ça coûte une fortune, mais je me vois pas envoyer mes bougies sans ça, en fait. Même si c'est dans un petit carton quand je vous l'envoie. J'ai trop peur que la bougie, elle bouge et que ça abîme la chantilly et tout. Non, je préfère pas prendre le risque. Mais c'est vrai que ça coûte cher, quoi. Donc ça m'embête un petit peu. Bref, je vais ranger tout ça. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense qu'il aurait été assez long comme ça. Comme ça, je finis le montage tout de suite et je la programme pour demain matin parce que comme je vous dis, normalement ce soir, je vois une amie, on va manger au resto. Donc du coup, je vous laisse ici pour cette semaine. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog en compagnie de ma mère parce que ma mère arrive demain. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas également bah, à me dire du coup pour les, bah, les choses que je vous ai demandé là, pour la box, etc. Ça m'intéresse. Je vous laisse ici, je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Hello, nous sommes dimanche matin et j'ai voulu mettre ma vidéo hier soir en ligne sur YouTube. Je l'ai programmée avant de sortir avec mon ami au restaurant.
Sauf qu'en rentrant, en voulant faire ma miniature, je me suis rendu compte que ma vidéo était bloquée sur YouTube. Donc j'ai regardé pourquoi. Et en fait, c'est parce que quand je filme dans mon salon et que mes enfants regardaient le petit dessin animé derrière à la télé, dessin animé disponible sur Netflix en plus. Mais bon, Netflix c'est payant, donc voilà. Donc il y avait le dessin animé derrière moi et en fait YouTube a détecté le dessin animé et m'a bloqué ma vidéo. Donc c'est même pas une question de monétisation ou quoi, c'est-à-dire que ma vidéo ne peut pas être en ligne à cause de ça. Donc c'est pour ça que vous avez le petit carré flouté sur le côté là et à un moment de l'autre côté pour cacher le dessin animé pour que ma vidéo puisse être en ligne ce matin. Donc je suis désolée pour ce petit cette qualité de vidéo. Je ferai attention dorénavant du bruit et de ce qu'il y a derrière moi à la télé. J'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je vais me préparer, on est dimanche matin, on vient de se réveiller et je vous dis passez un bon dimanche.